Eh bien bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Fringué. Aujourd'hui on est sur Empyrion Galactic Survival et écoutez, on va faire une petite partie bien cool tout de suite. Allez. Ok les petits loulous, on va aller faire une nouvelle partie. Donc c'est pas la première que j'ai fait et c'était assez aléatoire. Donc aujourd'hui on va faire vraiment ce que j'avais fait au tout début. Défaut à quoi? Omicron, hors de question. Défaut créatif non plus. On va faire du défaut random. Ça c'est bon. On va faire une petite partie. New World. Fringué. Et on va enfin pouvoir faire quelque chose d'intéressant parce que ça commence à. Les particules avant c'était pas terrible. Donc on va refaire les configs que j'avais fait du début. Équipement de départ, facile. Progression du joueur, rapide. Vitesse de dégradation. Normal, on peut laisser. Fin, normal. Consommation d'oxygène, ok, température, négative, radiation. Normal, ok. Minéral, riche. Nombre de gisements, abondant. Ça, on laisse en trust. Difficulté, difficulté des ennemis, ouais, on va laisser moyen. PNJ, normal. Nombre de drones, bas. Facilité des drones, on va mettre en facile parce que les fois à la fois d'avant c'était le désespoir. Vitesse de construction normale, vitesse des blueprints normal, on reste tout comme ça. Ok, ok, ok. Écoutez, tout de suite les petits loulous, on va partir sur une petite planète bien cool. Et le lieu de départ, on peut même choisir le lieu de départ. Ok, on est bien sur random. Donc on va aller sur Galit, c'est plus joli. Quoique c'est pas mal non plus là-bas. On va sur Galit, on perd pas de temps, on s'embrouille pas. Et on écho tout de suite, allez. Et voilà les amis, on va descendre en trombe, en flèche sur notre planète. Où on va commencer cette petite partie, les petits loulous. On va aller là-bas, il y a deux épaves, il y en a une là en face, juste au-dessus de mon module, là comme vous pouvez voir, là-bas. Et nous en avons une autre qui vient de popper, qui vient de. Qu'on vient de trouver. Et là, ça peut être super cool parce que l'emplacement m'a l'air intéressant pour une base future. Mais pour ça, avant toute chose, faut déjà s'écraser. Comme une. Comme un pauvre misérable que nous sommes. Et nous allons faire un petit peu du début du tuto pour récupérer la moto, première chose, plus important. Et puis voilà quoi. Puis après dès qu'on a la moto, on va refaire en normal et puis on va faire une petite partie sympa. Le but n'est pas prêt à être fini, on va essayer d'évoluer le plus rapidement possible, facilement possible. Aïe, je suis tombé par terre. Le plus facilement possible pour évoluer dans le jeu qui est bien cool, bien cool, bien cool. Alors, briefing, ok, on y va. On va faire ça. On va faire bien le tuto jusqu'à la moto. Puis le reste, on arrêtera parce qu'on n'a pas besoin de plus. Mais on a besoin de la moto parce que pour l'instant, on n'a rien. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Vérifier les inventaires, récupérer tout ce qui s'y trouve. Ok, on va le faire. Vu qu'il nous le dit. Alors, une bouteille d'eau. Là tout de suite, Empyrion a changé, a eu des mises à jour, et tous les jours, quasi tous les jours, il y a des mises à jour. Là nous avons Fringuette, la cousine à Fringui, qui est cosmonaute, et écoutez, on l'a embauché pour faire ce petit let's play, tuto let's play, ok. Ok, alors on a pris ce qu'on avait dans l'inventaire. Et on va attendre que le serveur réfléchisse pour nous dire qu'est-ce que nous allons faire maintenant. En attendant, on va aller voir nos petits machins là, nos petites épaves. Et où la deuxième? Elle est où? Ah, elle est là-bas. Ok, c'est laquelle la plus proche? C'est quand même celle-là. Allez. On peut courir, hein, c'est bien cool. Hein. Je vais faire le tuto, parce qu'autrement, il va nous emmerder. Alors là, oui, on va faire ça, ok, on est perdu sur la planète, c'est triste, on est.
Donc je vais vous démontrer le jeu un peu, comment ça se passe, en jouant, tout simplement, en faisant une petite base. Le but principal, c'est déjà de faire créer une petite base, où nous resterons. Donc on sera sûrement dans le coin, par là, dans le coin. Souvent on s'expatrie au bout de la planète, et c'est totalement inutile parce que, voilà. Puis à un moment donné, c'est pas plaisant, enfin moi ça m'a... C'est le troisième essai que je fais avec ce jeu. J'ai eu des problèmes avec Mirlis, là j'ai dû remettre une version précédente parce que la nouvelle version a totalement foiré et elle déconnait, j'arrivais plus à lancer Mirlis et ça me faisait raisonnablement chier parce que j'ai bien utilisé Mirlis. Pour le son, tout simplement. Et écoutez, on va aller à l'EPAF qui nous dit là-bas. Allez, allez pas, trouver la source du signal là-bas, à 900 mètres. Bah, on n'avait pas droit, c'est bien ça. Enfin, c'est la première, on me dira. Vous me direz, c'est la première, c'est pas très... C'est normal que ça soit pas trop loin. Bon, par contre, ce qu'on a besoin, tout de suite, d'abord, on va prendre notre survival tools. Ça, c'est un truc qu'on n'avait pas au tout début, la première partie que je faisais en solo. J'avais pas cet outil. Et il est pas mal pour commencer. Alors l'outil il a deux types, je vais pas vous dire les touches, qu'est-ce que ça fait machin, parce que mon clavier est en QWERTY. En QWERTY, donc je sais que vous avez du AZERTY généralement en France. Donc je vous laisserai regarder sur les options, donc sur Escape, sur les options du clavier pour savoir qu'est-ce qui fait quoi. Donc n'ayez pas forcément compte de les touches que je vous dirai, parce que moi les miennes voilà, sont configurées pour le QWERTY. Donc avec ce petit trader, avec ce petit survival tools, on peut casser du rocher, on peut casser du bois, on peut se défendre avec et on peut raisonnablement démanteler. Raisonnablement parce que il n'est pas très non plus très puissant. Le survival tools n'utilise aucune énergie sauf votre endurance. Donc la barre qui est en bas à gauche. Tout en bas, le gars qui court, c'est ça. Là il y a strictement rien à récupérer. Ok, donc quand vous avez besoin de vous défendre, c'est quand même bien de rester avec un peu d'énergie dans cette barre tant que vous n'avez pas vraiment une arme adéquate, vraiment une arme avec des balles si vous voulez vous défendre. Alors là ce que je suis en train de casser, c'est des petits astéroïdes, on va dire des fragments d'astéroïdes, un truc dans le genre. Au début que je jouais Empyrean, il y avait vraiment des astéroïdes qui tombaient du ciel, puis pouf, ça tombait, puis là on pouvait les miner, puis il y a une ressource par astéroïde, bien entendu, vu que c'est un jeu de ressources. Et là, manifestement, il n'y a plus. Il n'y a plus. C'est vrai que c'était chiant à se faire l'astéroïde totalement, c'était chiant, c'était assez pompant. Donc là, il y a des petits rochers un peu partout. Donc il y a des rochers, qui seront un peu de cette couleur bleue là. Ce sera généralement du silicium. Non, ça c'est du fer le bleu. Ça sera un peu l'argenté qui sera du silicium. Mais le cuivré, bah, ça sera du cuivre. C'est très bien, c'est bien pour commencer, pour éviter de commencer à éliminer. Parce que là, avec ça, on peut pas miner. Hein. On peut pas miner du tout avec ça. On peut pas miner du tout, on peut juste casser du rocher ou casser des bouts d'armes, mais pas de la manière qu'on veut bien le croire. Donc pendant notre petite expédition vers notre épave, on va démonter tout ce qui traîne, on va récupérer le max de petites ressources au sol, y compris les plantes. On a des ressources de cuivre. Là je reprends un peu mon souffle. C'est pour ça au début c'est un peu chiant parce qu'on court, on est obligé de courir quoi. On peut courir, moi pour courir c'est le mage majuscule. Donc je crois que ça ne bougera pas d'un clavier à un autre. Mais comme je vous ai dit, il faut quand même qu'on garde un peu d'énergie pour le reste. Bon, si vous voulez pas dénaturer la faune et la flore, le bois, vous pouvez avoir du bois. Le bois, il est comme ça. Et c'est du bois pourri, donc là c'est aussi bien de couper ce genre de bois que du bois que des arbres. Pour pas dénaturer quoi. On veut éviter la déforestation même en tant qu'astronaute. Hein, c'est fringuette. Bon par contre le loot
juste pour le bois, il nous l'envoie directement dans l'inventaire. Alors que quand il y aura la tronçonneuse, ça va tomber par terre. Vous lisez, c'est un jeu en français, vous lisez juste ce qu'ils vous disent, hein. Tout est marqué. Hein. Quand il vous dit quand il y a une action possible, bah, moi c'est le F, bah il vous le dit. Le pointeur deviendra jaune et puis il y aura un truc comme quoi. Voilà, là vous pouvez faire quelque chose. Donc pour ce style là tout de suite, bon, pour utiliser ce bouton gauche et le bouton droite, on a donc nos trois menus. Donc là c'est pour casser du rocher, donc c'est marqué en français, utiliser récupérer les minéraux, ok. Là c'est mode de défense, pour se défendre contre les bestioles, et peut aussi récolter du bois. Donc c'est bon à savoir, parce qu'au début j'avais dit oui, mais je croyais qu'on pouvait récolter du bois, mais ça marche pas, on peut pas récolter du bois en se défendant. Ça me semblait pas logique, alors que s'il l'avait dit, c'était marqué en gros. Mais ça, bien, ça coupe du bois, donc on peut couper du bois avec ça, et c'est très utile pour le début. Cela, comme vous pouvez voir dans l'inventaire, à part une tente, un régulateur de température, 2-3 médocs et 2-3 trucs à bouffer, on n'a rien de rien. Donc bah, en allant à notre petit vaisseau, je le vois, il est là-bas, notre petite épave, on va marcher tranquillement. L'ambiance est sympa, les décors sont jolis. Bon, moi je suis en quasiment une ultra, si je ne me trompe pas. Et moi j'aime bien, ça change. Pour l'instant sur d'autres jeux c'est un peu calme, c'est les vacances. Donc pour l'instant, bah on reste. Je m'amuse un peu là-dessus. Ça faisait longtemps que j'ai pas joué. Donc je m'amuse, j'en profite et j'en profite. Donc je vais vous faire partager et puis vous le faire découvrir. C'est un jeu de ressources, hein, comme je les aime. Putain, ces vaisseaux d'une map à une autre, ils sont exactement pareils. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce petit coffret? Là, comme vous pouvez voir, là c'est blanc et là c'est jaune. Après c'est F pour accéder au casier. Alors on presse et puis on a tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant là tout de suite? Là tout de suite, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Là du tout, on va pas aller plus loin, on a exactement ce qu'il nous faut. On a notre petite moto ici, pour faire de la moto. Et on a notre petit constructeur portable, ce qui est déjà très bien, pour commencer à crafter des trucs. Donc le tuto, je vais l'arrêter tout de suite d'abord. Donc le tuto, il est là, tac. Donc je vais enlever ça, désactiver le tuto. On peut le reprendre si on a envie, hein. Pas de problème, hein, mais c'est pour éviter qu'ils mettent des messages. Donc là, on a une petite moto et on a un constructeur. On a un peu de matériaux, on est ok, d'accord. On est tout de suite bien là-dessus. Voilà, sur le M, on a la map. Elle est petite, cette planète, niveau 3. Ouais, elle est petite, dis donc. Elle est drôlement petite. Et là, on était sur une épave. Là, on a encore une épave. Donc, on va se poser quelque part. Silicium, cuivre, silicium, gisement de fer. Putain, pourtant il y a une foule de gisements là-dessus. Et moi je dirais bien qu'on irait faire notre base par là ou par là. Toujours bord de l'eau, j'aime bien le bord de l'eau moi. J'aime bien le bord de l'eau, donc on va prendre la bécane tout de suite. Pour aller voir à quoi ça ressemble. Donc c'est soit à l'est ou à l'ouest. Là on est braqué vers l'est, on va aller vers l'est. Bien sûr, faut pas aller trop vite parce qu'on se pète la gueule. On se ferait cuire le crâne. Non, je gueule. C'est sympa, la petite moto pour commencer, parce qu'on n'a pas autre chose. Donc on va se trouver un coin sympa. Ça sert à rien d'aller chercher des trucs à midi à 14h. Je sais pas si vous voulez faire des trucs super évolués, des bases super jolies, faut aller les faire dans les montagnes, il faut trouver de la montagne, et puis si, et puis là, bon. Moi j'aime bien la flotte, donc j'aime bien me mettre au bord de la flotte. Donc il y a là, ah c'est là, la super superficie. C'est pas mal, mais ça a l'air un peu pauvre quand même. Ça a l'air un peu pauvre. C'est un peu pauvre par là. On était où? On était tombé là. On va remonter un peu, on va aller voir par là. On va faire tout de suite notre base. Enfin tout de suite notre base. Pas tout de suite parce que dès qu'on lance. Dès qu'on pose notre on va dire notre chip core, notre cœur de station, ou cœur de base, ou cœur de ce que vous voulez.
Les drones sont alertés comme quoi il y a un nouveau arrivant sur la planète. Puis vous envoie un peu des drones de temps en temps. Donc c'est bien d'avoir quand même une un pétard pour les recevoir correctement. Mais là on n'a rien du tout pour l'instant et on doit débloquer aussi les niveaux pour avoir certains trucs. Plus on avance dans le jeu, plus on débloque du niveau, plus on peut avoir des matériels évolués. Et pour l'instant on n'a pas grand-chose. Là je préfère là-bas presque à gauche là. On va rester dans ce coin-là, on va pas aller pétaochnok. Ça me presque un peu dépourvu de. C'est pauvre, hein. C'est pauvre. Je trouve que c'est assez. C'est un peu tristounet là. On va redescendre un peu par là, vers le gisement de cuivre. Où je pense, on s'emmerde pas, on le met là, on se met par là. Voilà, on va retourner par là-bas. Là, la déco, mais il faut qu'il trouve. Je voulais un truc vraiment bien boisé, puis juste sur la plage, quoi. La plage bien boisée. Ça, je peux bien boisé, quoi. Je suis chiant comme joueur. Ah, c'est bon, plat ou pas plat, on s'en fout. On peut modifier le terrain si on veut, dès qu'on a les outils adéquats. Près d'un squelette. J'aime bien les squelettes. Moi je dirais presque qu'on pourrait aller là-bas. On va aller faire le tour du lac. Rapido. Ça venait nous débloquer des zones, ça nous. Bon bien sûr on peut pas passer sur les cailloux. Ça nous débloquer des zones et puis des zones d'exploration. Il y a le gisement de cuivre qu'on avait vu tout à l'heure. Il y a un gros caillou là-bas. Là, ça me plaît plus là. Ah, et en plus, c'est un super un truc de baleine. C'est un peu en hauteur. Ah, là, ça me plaît meilleur. Là, ça me plaît meilleur là. J'aime bien utiliser aussi les décos d'origine du jeu. Faire la base auto au-dessus ou à côté. Là, ça me plaît pas mal. Oh, c'est drôle. Bon, abruti par là, disons. Par contre, la bécane, quand elle va dans l'eau, elle va dans l'eau. Bon, alors comme vous savez, les petits loulous, Fraguette, elle a pas d'armure, elle a rien. Donc, si on reste trop longtemps sous l'eau, elle risque de mourir étouffée. Elle risque de mourir étouffée. Tu veux pas t'étouffer, Fraguette? Ah, si, quand même. Donc, on va pas faire des trous, les fous. Mais, ce coin-là, il m'inspire bien, moi. Il m'inspire bien, bien cool, hein. Moi je préfère, j'aime bien là, franchement j'aime bien là, il y a deux petits trucs là, je m'en fous. Mais là, moi je dis, Fringy, tu es bien. Là, tu es bien. Donc on va poser une petite tente. On va poser notre petite tente là et on va attaquer direct là. Alors on va prendre notre constructeur ici, on va prendre la tente. La tente c'est pour dormir hein, pour le début, parce qu'on a un peu, on n'a pas de base. On n'a pas de base. Pose-moi ma tente par là, toi. Toc. Mettre le petit constructeur ici. Toc. Et puis là, on est pas mal. Donc là, on va pouvoir mettre ça dedans. Ça aussi. On va pouvoir tomber dedans. On va faire office de stockage. On n'a rien d'autre. Et puis les casinos proposent à notre petit constructeur tout de suite. Pas grand-chose, parce qu'on n'a pas grand-chose. Donc de la bouffe on peut pas en faire, on a rien. Des médocs on peut pas en faire non plus. Ça c'est uniquement sur le comment dire. Le constructeur portable. De survie, de portable, survie. Dans les. Je crois dans les constructeurs. Dans les constructeurs de vaisseaux, les petits. Pour les petits vaisseaux, on a aussi pour la bouffe. Et pour les médocs. Je suis pas sûr. Je suis pas certain à 100%, mais il me semble que oui. Donc de toute façon, à dispo, on va pouvoir avoir une tronçonneuse là tout de suite. Des blocs on va pas pouvoir en avoir, ça sert à rien. Une tronçonneuse c'est bien gentil mais ça va pas nous servir à grand chose. Nous il nous faut notre chignole géante pour faire du minage, c'est-à-dire ce truc là. Fibre optique, il me manque du fibre optique, la fibre optique. Fibre optique c'est ça. Lago de silicium. Ouais, j'ai pas du silicium, j'ai pas de masse. Mais si peu que ça du silicium. J'en ai pas du tout du silicium. Bon bah alors il va falloir aller choper du lingot de silicium dans le coin. Donc on va prendre la bécane, on va fouiller un peu la zone, trouver des. Elle est bien là, là on est bien moi franchement.
Alors quand on est bien, quelquefois, c'est mieux de faire une petite sauvegarde. Quelquefois, quand on a des trucs super importants, on va attaquer une base, ou on part je sais pas où, enfin un truc qui pourrait être compliqué, faites une sauvegarde. Faites une sauvegarde. Ça, c'est pas la sauvegarde principale, mais c'est une sauvegarde. Et ça vous évitera peut-être pas mal de désarroi quand vous ferez péter la gueule en plein dans l'espace avec votre vaisseau. Que le vaisseau il sera en morceaux et que vous serez en train de vous faire tirer dessus une cinquantaine de fois et vous serez mort au moins une cinquantaine de fois. Et ça fait chier. Quelquefois on est coincé quoi, on perd le vaisseau, le stuff et puis bon, retourner sur la planète avec votre jetpack quand vous en avez un. Bah, si vous n'avez pas de jetpack dans l'espace, vous êtes mort. Ça veut dire que vous n'avez pas d'armure. Ça peut être tendu, donc quelquefois faut vraiment penser à faire une petite sauvegarde quand même. Bon, il y a des petits autochtones, hein, ici. Ils sont tout gentils, eux. Salut, salut, salut. Pourquoi tu danses? Tu veux passer? Ils sont gentils, hein. Bon, on peut les tuer pour bouffer, hein, si on veut. Ils sont gentils, ils sont gentils. Bon, après, il y a des bestioles un peu plus méchantes, bien sûr. Alors, on va aller, je sais pas où, n'importe où, on s'en fout. Faudrait peut-être qu'on aille à un endroit où on va pas. On a quand même débloqué pas mal de zones. Je peux pas miner là-bas. Je peux pas miner ces gisements, j'ai pas de chignol. J'ai pas de silicium. Faut que je trouve du silicium. Faut que je trouve du rocher argenté. Qui sera du silicium. Donc faut que je parte à la chasse. Cela je pourrais. C'est quoi ça? J'y suis venu là-dedans? Oui, c'est là où il y a les deux chests. Les deux chests en plein milieu. Et au début, bah voilà, on est obligé de chercher un peu une ressource à la con qui nous manque. Heureusement, là, c'est le début du jeu, on est quand même sur notre planète d'origine où on est arrivé. Du fer, c'est très bien. Donc, il y a le minimum, au minimum, les ressources pour pouvoir faire quelque chose sur la zone. Enfin, dès qu'on doit monter de niveau, dès qu'on doit avoir des trucs vachement plus évolués, voilà, il y a des ressources qu'il faut aller sur d'autres planètes. Pour ça, il faudra explorer d'autres planètes avec un vaisseau, un petit ou un grand. Mais pour l'instant, ici, on a du cuivre, du fer, du silicium. Nous avons du prométhium pour le carbu, on est d'accord. Pour ceux qui connaissent un peu le jeu. Sur la lune, qui est pas loin de chez nous, il y a toujours une lune sur la partie de la planète qu'on commence. Il y a le pentaxile pour les sauts hyperespace. Et puis, du cobalt, il me semble, sur la lune. Et du silicium aussi, il y a peut-être du fer aussi, et du cuivre, c'est des trucs basiques, donc ça il y en aura certainement. Mais il y aura l'option d'avoir du silicium, enfin, du pentaxile et puis du cobalt. Mais pour ça, il faut avoir un vaisseau. Et ce serait bien que je trouve un petit cailloux, hein. Il y a des cailloux, c'est par zone, quoi. Il y a des zones où il y a que du fer, il y a des zones où il n'y a que du silicium, il y a des zones où il n'y a que du cuivre. Je parle en rocher apparent. Hein. Ça y ressemblerait presque, mais c'est pas ça. Et ça peut être vraiment, ça peut être super casse-couille quoi. Courir à la chasse à un petit caillou là en plein milieu de la planète. Et heureusement on a notre bécane. On aurait pu continuer le tuto, hein, bien entendu les amis. Et enfin le tuto, le didacte, ouais, le didacticiel. On aurait eu d'autres trucs plus intéressants, mais je vois pas l'intérêt. Moi, j'ai juste ma moto, j'ai juste besoin de la moto et puis du constructeur pour démarrer la partie. Puis, j'ai déjà fait tellement de parties avant que je commence à être un peu blasé là. Ça serait bien que celle-là on puisse faire quelque chose de bien. Enfin, juste que je trouve ce caillasse à la noix. Ça ressemble à ça, mais c'est pas ça. Bon, ça ressemble à ça, mais c'est pas ça. Bon, entre temps, on découvre la planète. Mais elle est assez petite, donc on va vite en faire le tour, c'est bien. Et j'aimerais bien trouver ce caillou à la manque. On dirait ça, c'en est. C'est pas forcément super nickel. Comme le cuivre, il est un peu corrosif, corrodé. Il est où? Par contre, un bac à deux bécane, c'est vraiment horrible. Meilleur temps d'y aller à pied.
Bon, c'est cuivre, bon, c'est pas grave, on va faire les cuivres quand même. Profite, hein, c'est toujours ça. Il n'y aura pas à miner. C'est le caillou tout simple. Je m'excuse. Bah, le caillou, on en a besoin. Hein. Pour faire après, pour faire du béton, ça peut être sympa. Pour faire des blocs de béton pour notre base, ça c'est sûr qu'on en aura besoin. Bon, on va pas, je vais pas vous faire traîner à chercher du silicium pendant 10 ans. J'en trouve, je retourne à mon petit constructeur et puis on attaque. Dès que j'ai trouvé ça. Allez, on y va tout de suite. Eh ben, nous revoilà les amis, on est de retour. On est de retour. J'ai réussi à crafter enfin mes trucs. Pour du silicium, donc j'ai ma super chignol. Super chignol de combat. C'est une doperie, c'est quelque chose de terrible ce machin. Mais au début, on a un autre. Donc, et de la tronçonneuse. Ça peut nous servir d'arme aussi. Tranquille, mimille. Tranquille, mimille. Donc j'ai mon constructeur, je vais faire un peu de bouffe parce que je suis toujours en désespoir de bouffe ici. J'ai fait mon scanner de minéraux et puis le détecteur qui détecte des trucs intéressants dans le coin. Qu'est-ce que j'ai joué d'autre? Moi j'ai un bloc de départ de base, je l'ai préparé, j'ai du béton 160, est-ce que je pourrais en avoir un peu plus? Oui certainement, mais ce constructeur est assez lent. Du coup, il m'en reste plus des masses. Est-ce que je peux faire... Non, bah, j'ai déjà fait quelque chose pour la bouffe. Et ben voilà, les petits loups, j'ai posé mon noyau tout au fond. On devrait le voir, logiquement. On a le point base. Monsieur base. Monsieur base. Il est là au-dessous. Par là-dessous. Et j'ai construit... Donc j'ai posé mes générateurs pour mes générateurs de puissance pour le panneau solaire. Le soleil il est pas très puissant. Ouais, je suis peut-être pas dans le bon angle. Ah bah là, je suis nord-sud. Ouais, forcément. Nord-sud. Bon, je peux pas les démonter parce que j'ai mon truc, mais je suis pas sûr que je puisse les enlever, désassembler. Là, il va rien récupérer celui-là. Que j'en ai relancé d'autres, t'as fabriqué des grands ce coup-ci. Que je peux avec ce constructeur-là. Mais, par contre, il faut que je change de sens. Pour changer de sens, c'est les touches au-dessus des du palonnier du truc de flèche sur votre clavier et puis voilà. Écoute, ma plateforme risque d'être un peu juste. J'ai encore un peu de béton, donc faut que je bascule tout ça pour ce soleil. Il est là. Là, si on regarde par là, c'est l'ouest, est-ouest. Là il y a un arbre, faudra que je m'en occupe à un moment donné. Faut que je fasse que je monte la plateforme là, je vais mettre les panneaux de ce côté là. Faut que je fasse gaffe que je commence à être en l'air, va falloir que je mette des piliers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toujours 6 par 6 moi, je mets toujours 5 d'espace. Après la plateforme elle tombe. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc là on va foutre un pilier aussi. Paf. Là on est pas mal pour celle-ci. Il faut que je rajoute des. Faudra que je me fasse une armure aussi. Comme ça j'aurai le jetpack. Faut que je continue par là. Donc là je vais mettre là. Tac. Là, l'énergie il y en a, mais comme vous pouvez voir ça clignote, c'est parce qu'il n'y a pas assez de patates quoi, il n'y a pas assez de panneaux. Et les panneaux que j'ai, manifestement, ils sont encore un peu à l'ombre. Là il y a un jaune, là il y a deux verts, alors que là je suis plein pot quoi. Là je suis plein pot, plein soleil, donc c'est bon. Ah, ça faut peut-être que je pose l'autre aussi. Et oups. À sautiller comme un cabri, je tombe. Je me suis fait une petite arme, ce qui est nickel, comme ça, bah, les drones quand ils vont venir. Bon par contre c'est coup par coup celui-là, c'est vraiment. Hein. Donc on va mettre le soleil est par là, on va le mettre dans ce sens-là pour l'instant. Quand j'aurai le pistolet, l'auto-ustensile pour démonter les trucs, ça va pouvoir le faire. Là ça devrait monter un peu plus. On a 0%, j'enlève les tourelles, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas besoin.
Pour aller sur le statut de tel ou tel véhicule, vous regardez le vaisseau ou la base, vous appuyez sur P et puis vous avez tout le menu qu'il y a dans la base qui est nickel, on sait tout ce qu'il y a. Je peux éteindre les tours et l'oxygène parce qu'il n'y a pas. La puissance elle est toujours à zéro, ça clignote toujours un peu. Voilà, juste pour faire tourner la machine. Juste pour faire tourner la machine. Quand je vais me faire de la caille, je vais me faire des blocs parce que là il me faut pour que je puisse poser les autres panneaux. Je pourrais en faire des blindés, moi je fais du bloc béton normal. Pour l'instant, je crois que malheureusement je serai obligé de découper cet arbre là et l'autre. Donc on va le faire tout de suite d'abord. Pas qu'il me cache le soleil. Par contre le bloc il se met vraiment ouais, 45 hein. Là c'est le nord. Donc on peut pas tourner le bloc, on peut pas diriger ça. Ça le noyau de la sta... le noyau de votre base à la direction qu'on veut c'est d'équerre avec le nord, sud, est, ouest. Tout simplement, il n'y a pas d'autre choix. Tiens, il y a un autre bout de bois là-bas qui traîne, celui-là je peux le couper. C'est du bois pourri. Va me servir pour les munitions. La fibre pour les munitions. Mais pour l'instant, j'ai besoin d'énergie pour faire tourner un peu mon machin. J'ai mes deux générateurs qui s'occupent de gérer les panneaux solaires. Et il sert aussi à stocker le surplus d'énergie des panneaux. S'il y a. S'il y a. Par base, on a le droit à 15 panneaux solaires. Donc les grands ou les petits, peu importe, s'en fout. Là, j'ai enlevé les petits, il faudrait que je les enlève après. Pour mettre que du grand. Qui sont quand même plus efficaces. Là, on va essayer de faire une plateforme de 5. Là, je suis à 1, 2, 3. 4, 5. Pour tenir pour le craft, vous tenez appuyé jusqu'en bas. Putain, je sais pas, il me fait des trucs ce truc. Une fois que c'est verrouillé, il veut plus rien savoir ce con. Hein. Là, pour essayer de le claquer, le mettre en dessous, ça te désespoir. Bon, c'est pas, on va te faire voir. On va mettre un pilier derrière et on l'enlèvera dès qu'on peut. Viser en bas. S'il te plaît, est-ce que tu arrives à me le poser ce putain de bloc? Non? Bah, va te faire foutre alors. Ouais, c'est celui-là. Donc on a 2, 4, 5, 6. Ça on fait paf, logiquement ça marche. Ouais, c'est comme ça qu'il faut faire sur le coup. Donc là je vais faire pareil, je vais refaire un de juste là. Je le démontrerai après. Paf. On y est. Et ça ne bougera pas. Donc ça c'est bon. Même un escalier. Ouais, l'option de bloc ou autrement avec la touche droite. Essayez toutes les. S'il y a des options, ça s'ouvrira. S'il n'y a pas d'options, ça s'ouvrira pas. Il y a toujours un petit, des petites options sympas pour les blocs et tous les autres blocs de construction. Bon, fermer ma plateforme et poser mes panneaux. Le soleil tombe donc ça va pas m'arranger beaucoup parce que les panneaux j'en aurai besoin maintenant. Et les batteries seront pas chargées pour la nuit. Bon c'est bien, on a toujours la tente donc on va passer la nuit cache. Et puis on sera tranquille. On sera déjà revenu dès le départ à la journée. Et puis tout ce qui sera dans le constructeur aura avancé aussi en même temps. Écoute, je suis pas très bon, je suis pas très bien placé. Je le décale, c'est pas grave. Tombe pas parce qu'il y a encore un peu de bloc pour le tenir, mais bon. Finir la plateforme. Alors, 4, 5, 6. Paf. Quelle fois ça marche, quelle fois ça marche pas. 3, 4, 5, 6. On garde les boutons appuyés, puis ça tire. Hein. Et un autre mode de construction aussi, avec le N sur mon clavier. Avec des axes, ça va construire d'un côté à l'autre. De côté en même temps, ce qui est très bien. Là, je vais mettre une petite plateforme là pour tenir là le truc. Je vais mettre là. Par contre, là pour remonter, je suis obligé d'aller par là. Non, je saute haut. Pourtant, j'ai pas l'armure. Hein.
Pourquoi j'arrive pas à avoir la vue? Ah c'est bon. J'ai pas l'armure, hein, je suis toujours semi à poil quoi. Semi à poil fringuette. Moi j'aime bien les filles à poil. Ça m'excite. Mon trêve de conneries. Alors est-ce qu'il me reste du bloc? Non, donc il doit m'en rester là-bas. Moi bon, je crois que ça devrait marcher là. Oh, tous les panneaux sont verts. Vous voyez la puissance, hein? Là c'est jaune. Là c'est vert, là il y a deux barres, là il y en a 4 à fond. Là aussi, bon ceux-là non, parce qu'ils sont. Ouais, ça marche encore. Mais là, l'énergie, il faut que je recharge un peu pour la nuit, autrement je vais être obligé de tout éteindre. Enfin, tout s'éteindra tout seul du moins. Mais bon là c'est bon, on va passer par-dessus carrément les arbres. Donc j'aurai pas besoin de les couper. Ah, j'ai pas le jetpack, oublie pas, Fringy. Doit te casser la jambe. Ça serait dommage. Alors, on va commencer notre petite base tranquille. C'est pas mal. 5, 6. Attends. 2, 4, 5, 6. Quand il y a un bordel en dessous, je vais pas pouvoir le poser. Si, c'est bon. Tac. 4, 5, 6. Paf. Je vois ça super vite. Hein. Paf. Il suffit de faire ça. Hein. Faites ça comme il faut. Paf, paf, paf. Ça va super vite. Donc je crois que la prochaine mission, ça sera quand même mission forage, ça sera le prometium. Pour pouvoir avoir des charges de nos ustensiles adéquates. Là on va le mettre aussi, on va le tourner. Le but c'est d'avoir le max d'énergie pour que les batteries se rechargent. Ça pendant la nuit ça tournera toujours. Et puis, puis voilà. Donc qu'est-ce qu'on a de dispo qu'on pourrait faire à part des panneaux? On n'a pas grand chose, on a un frigo pour la bouffe, mais je garde avec le constructeur, mini constructeur, ça suffira. Le synthétiseur de nourriture, il n'y a pas besoin pour l'instant. Il manque pas mal de choses, mais c'est tout à débloquer. Donc je vais me refaire encore des panneaux solaires. Donc j'en ai je sais pas combien. Je vais me faire aussi ça. Même si j'ai pas les recharges qui sont là. Pour l'outil multifonction. J'en aurais besoin pour l'instant. Avertissement drone. C'est pour ça qu'il nous faut des munitions, les petits lolos. C'est pour ça qu'il nous faut des munitions. Donc là j'en ai 80. Je vais tout annuler, je vais mettre des munitions à faire tout de suite d'abord. J'en ai pas fait des masses. C'est ça, je vais en mettre ça prend pas non plus des plombes. Donc après j'en mets mes panneaux solaires, on fait 10. Je sais même pas si d'ici il en faudrait. Je suis même pas sûr. Hein. 10, je me fous. J'ai le droit à 15 panneaux solaires. 15. Donc là j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. On va compter les grands, les petits, je vais les démonter de toute façon. Donc on va compter 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Donc il m'en faut 6. J'en ai 6. Donc si j'en ai 6, il m'en faut 6 encore. Ça fait 12 plus 3. Donc 9. Tout simplement. Donc ça c'est vraiment le truc principal. 300 munitions c'est vraiment pas mal. Je crois que je vais pas en mettre 3 à fabriquer. Voilà, on va laisser ça comme ça. Ça fait par 50. Là je suis bon, du bois je vais le refoutre là-dedans, paf. Faut juste que je sois bien chargé. Je vais même faire un deuxième pétard je crois. Donc on annule tout ça comme ça. Deuxième pétard. Il est là, feu. Et puis je remets mes petits blocs. Les 9 panneaux solaires. Et merde. Moins 1. Zut. 100. Ah oui, non, oui, oui, bien sûr. 10. Moins 1. Voilà. Alors là, c'est du bloc à faire. Ce qui me reste assez de gravier, pas grand chose. Faire 25. De toute façon, ça fera pas les 25. Mais c'est pas grave. Ça, c'est bon.
Les drones sont pas encore par là, mais on va passer la nuit rapido. Parce que la patate, ça tourne. Pas vraiment. Quand même 3% de puissance. Donc c'est pas mal. Mais il nous faut quand même plus de vélocité que ça. La nuit tombe. On va attendre que. On va rien entendre du tout. Je vais sauter dans la petite tente. On va faire une petite pause dodo. Et puis quand on revient, il y aura sûrement les drones à déglinguer. Allez, on y va tout de suite. Bonne nuit. Et ben voilà les amis, cet épisode est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous allez aller voir les autres. Ils sont dans les bacs certainement déjà tout de suite. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Merci beaucoup. Et puis merci pour Fringuy. Et puis écoutez, faites pas les fous. Et puis tchou!